Bienvenue à Constantinople, Ezio. Et yo tout le monde, c'est Maya. Battez avec moi. Montrez-lui ce qu'il en coûte d'affronter les assassins. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed 2. Sur ce, bon visionnage. Attends une minute! Tu ne t'échapperas pas! Tout le monde sur lui! Attaquez-le! Il s'en fout! Il ne peut pas mourir! Je dois rentrer! Les canonniers! Rattrapez-le! On finira bien par le rattraper! Oh! Oh! Pas! Pitié! Lâche! Je dois m'en aller! Personne ne doit me voir ici! Par pitié! Malédiction! Tu vas mourir! C'est rien à voir à l'hôtel. Voyons un peu ce que vous valez au combat. Ne restez pas là. Que Dieu nous protège. C'est le moment d'aller voir. Il y a une leçon à tirer de tout ça. Il ne faut pas contrarier les gens violents. Voler les morts, la vengeance de Dieu sera terrible. Je l'ai déjà vu. Si vous continuez, j'appelle la patrouille. Voleurs, laissez donc les morts reposer en paix. Sacrilège, vous brûlerez en enfer pour l'éternité. Monstre, laissez les morts en paix. Abominable. Ah.
moment. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Assassin, ne t'approche pas de moi. Yézid, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ici. Oh, je crois que je vais me sentir mal. Pitié, FN. Je suis un respect. Reste où tu es. Aidez vos protecteurs. Prenez part à la cause des gardes byzantins. Attrapez ces assassins. Purgez la ville du fléau qu'il représente. Craignez ces monstres maléfiques. Ils tuent tous ceux qui se trouvent sur leur chemin, sans distinction. Il faut les arrêter au plus vite. Faut-il marchander avec les loups qui dévorent nos troupeaux? Non. N'ayez aucune bienveillance pour ces tueurs. Ils ne le méritent pas. Le mal hante notre belle ville. Il se moque des valeurs sur lesquelles nous montons nos titans. Rejoignez les gardes byzantins. Chassez ces démons. Craignez ces monstres maléfiques. Ils tuent tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. Les armées principales de l'Empire. Doivent se rendre à Edirne pour rejoindre le sultan et renforcer sa défense. Tous les commandants n'ayant pas reçu d'ordre spécifique doivent s'adresser. Qu'on parlait de ta petite dette de jeu, c'est ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas en feu. Bien. Avant d'aller. Hé! Ne m'obligez pas à vous arrêter! On devrait les enfermer, les imbéciles dans son genre. Vous avez perdu avec ton cœur un peu d'argent. Comment va ta mère? Hé! Ne m'obligez pas à vous arrêter!
fait. Qu'est-ce qui t'arrive ? Parfois, il faut apprendre. Les voleurs, j'adore les maltraiter. Il est là, tuez-le ! Reculez, ça ne vous concerne pas. Tôt ou tard, tu finiras dans une impasse, l'ami. Oh non ! Il prend le large ! Non ! Il va réussir à filer ! Est-ce que tu préfères qu'on te brûle ou qu'on t'enterre ? Ah, tu ne t'en sortiras pas cette fois. Je suis là. Il a disparu. Bon sang, encore là, un mort. Je veux la voir. Je vais finir par m'énerver. Si quelqu'un a vu ce mais qui s'est passé, qu'il le dise. Là. Nous l'aurons. Il est là. Ah ah. Attrapez-le. Tu vas mourir! Bon sang, il a du talent! Attaquez! Taillé en pièces. Ah ah, tu es mort. Non, crève. Allez, tout de suite. Attaquez! Je vais te tailler en pièces. Allez! Ah!
le respect qu'on peut préserver la paix. On devrait s'entraîner sur le prochain qu'on voit. Ça va mal se terminer. Impressionnant, mais évitez les gardes.
nature de ces tueurs. Ce sont des hommes vils et malfaisants qui font couler le sang des innocents. Il a perdu la tête. Ce sont des hommes vils et malfaisants qui font couler le sang des innocents. Par tous les saints, écoutez-moi. Suivez-le, vite ! Les assassins sont un fléau envoyé par Dieu pour mettre à l'épreuve. Je l'ai trouvé ! Il faut que je le retrouve. Le chef des gardes du saint, vite ! Vite ! Contre les assassins. À la clé. Il n'y a rien à voir ici. À tous ceux qui l'aideront à lutter contre les assassins. À la clé, de l'argent. Les gardes byzantins souhaitent vous remercier pour votre soutien sans faille. Construisons ensemble un avenir plus futur pour nos enfants. Ils se moquent des valeurs sur lesquelles nous fondons nos existences.
Rejoignez les gardes byzantins. Chassez-les. Ça alors, il a... Faut-il marchander avec les loups qui dévorent nos troupeaux? Non. Il n'a aucun respect pour la propriété privée. Il ne le mérite pas. Je n'aime pas ça, je devrais m'en aller. Les nouvelles de la province de Kev. L'imprudent prince Célier a été aperçu à Kev, où il semblera traduire la Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde!